La boutique YouTube. Donc déjà, on valide. Ah bah non, 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 on n'avait pas pris de travail. On va essayer de mettre sur les... Mais j'ai pas, non, j'ai pas de grosses étagères. Hein. À moins que ceux-là... Ah oui, c'est considéré comme des étagères, d'accord. Mais moi, je pensais que c'était cassé, tout ça. Attendez, lisons. Construire une grange, d'accord. Et là, c'était pas marqué construire, c'est ça? Construire, construire, d'accord. Grande étagère, ok. Bam. Ok. Upgrade. Non. Non, il nous faut un truc de nettoyage, ici. De nettoyage, on s'équipe de ça. Et on le craft pas, parce qu'on n'a pas encore la thune. Merde! Ouvrons la boutique. Oh, c'est bon, tu peux pas faire la nocturne. Je connais pas. Non. Salut l'artiste, bienvenue. La hache sert à détruire les caisses, fûts et autres pour récupérer les matériaux et sert de la thune. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois que t'as raison. Je vais l'acheter après. Ça repop pas hein, dans les tiroirs. Hein. Je vérifie vite fait, hein, mais je crois pas. Hein. Autant mieux, ça me ferait chier de... Ça me ferait chier honnêtement de... De refouiller à chaque fois. Canette qui traîne, je l'avais pas vu tout à l'heure. Un petit peu de thune en plus. On ouvre la boutique. Alors, vente au client. Cliquez sur le client pour démarrer la vente. Vous pouvez vendre, refuser ou marchander pour obtenir un meilleur prix. Lorsque vous marchandez, ne soyez pas trop gourmand. Sinon, vous risquez de perdre de l'argent. Ok. Je vais jouer un peu au basket en attendant que les clients viennent. Et on passe le temps comme on peut. D'accord. C'est nul. J'ai compris. Faut se mettre sur les emplacements, je crois. Non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain! Fallait le mettre dans le panier, moi je pensais que c'était là-dedans comme dans les fêtes foraines. D'accord. Allez. 1. Oh la vache. Ouais, bon, le basketball, ça a jamais été pour moi. Oh, quel bordel. Mais merde! Mais je vais réussir à mettre un putain de panier? C'est pas évident. Hein. Ouais, vas-y. Moi le camp. Salut. Marchandé. Je ne participerai pas plus. Quoi? Je ne paierai pas plus. Bah d'accord, il est parti. Oh non! Non, c'est bon. Attendez, je fais un truc. Voilà. Quand il reviendra, il croira que c'est une nouvelle parce qu'elle est gare ailleurs.
C'est quoi le drilling? C'est les clients qui me demandent? Ah oui! Le rocking chair, vas-y. Non, marchande, en marchande. Plus 8 dollars. Allez, on vend. Et il est content, il est parti. Il n'y a plus rien à mettre. Toi, qu'est-ce que tu veux? La télé? Ah, il a une bonne tête de pigeon, lui. Yes. Yes. C'est bon. Ouais, max bénéf, hein. Oh, oh, merde, je me suis fiché quand même à les obtenir, hein, leurs trucs, hein. Ouais, on met les pneus, les jantes et toutes les conneries. Voilà. C'est génial. J'aime bien. Il est où? Là. En marchande. Dommage. C'est ma dernière offre. Allez, vas-y, 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 casse-toi, casse-toi. Ramier, va. Ah, les gratteurs! Envoyez le moteur, ouais, je vais l'envoyer, je vais l'envoyer. Allez, viens. C'est un bon pneu quand même! Ok. Merde. Vas-y, on vend. Allez, sois content et casse-toi. Le cousin. Email, boulot. 430 $. Nouveau mail. À la recherche de Butch le champion. Je sais que personne n'accepterait ce boulot à part toi. On m'a dit qu'on pouvait encore trouver le modèle classique Butch dans les environs de Kentwoods. Qu'en penses-tu? À propos de l'oncle Billy, tu me dois toujours 50 $. Putain d'enfoiré de ta race. Ils ont étoilé, mais c'est ça. On accepte. Mais on n'y va pas maintenant. Parce qu'on a des clients. Ah bah non. Ah, au moins 150 balles ça. Hein. Oh non, au moins 100 balles, au moins 100 balles. Au moins 100 balles, je vous l'ai dit. Fais chier. Bon, allez, hein, c'est le prix que j'avais fixé. Hein. Hop, la petite brouette. Quoi? Une jante? Le... Ouais, non, mais je m'en fous, qu'est-ce que tu veux, toi? Agent, agent. Avez-vous des objets spéciaux? Il veut de la drogue, lui. Bizarre. Merde. Encore. Bam. Alors on gratte un dollar par dollar. Il faut se faire de l'oseille. Allez, vas-y, casse-toi. Je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Je lui vends un truc et elle veut me couper la gorge. Ok, là, y a plus rien à mettre. Là, y a plus rien à mettre. Toi. Le nom Bobby Gray signifie-t-il quelque chose pour vous? Mais non, ça me dit rien. Avez-vous quelque chose de... Mais casse-toi de mon magasin! Voilà, lui veut acheter ma brouette. Dommage. Quoi? Bah, j'ai gagné le truc, non? Enfoiré. Une calandre, une belle calandre de Jack Seven. Ah. Oh, argent. Argent. 1320. C'est mieux que l'autre, mais j'en veux plus. Yes! 1620, encore plus!
Argent! Oui! Allez, casse-toi! Oui! C'est un Men in Black. Ah, en rapport avec les extraterrestres qu'on a vu tout à l'heure, peut-être. Putain, j'ai vendu le 4x4 et tout, c'est stylé. J'ai fait masse de pognon. Ouais, vas-y. Ok. Il reste encore des trucs à vendre. Ah, c'est l'extraterrestre! Bobby Gray. J'ai une offre. Un extraterrestre, je vais le carotter, il est pas d'ici. Merde. Mais merde! Il reste quelque chose à mettre? Non. Elle. Il y a une petite. Au-dessus de leurs icônes en haut à gauche des clients, il y a une petite icône de satisfaction, j'ai l'impression. Il faut répondre à leurs demandes rapidement et ils seront plus. Pareil, la petite barre de temps qui descend. Voilà, plus on va vite, plus ils seront contents, plus ils seront enclins à payer cher. Merde. Ouais, 200 balles, c'est bien pour un ressort. Allez, vas-y, casse-toi. On comprend pas la signification du coupage de gorge encore, hein, par contre. Mais bon. Regardez, on a 3000 balles! Oh, yeah, c'est le début de l'opulence. J'aurais bien qu'il y en ait un qui m'achète ça, ce serait sympa. Oui. Oui, le Rasta va m'acheter ça. Nickel. Ouais, je suis pas mauvais en affaire. J'arrive à bien les gratter quand même. Salut Xenevox, bienvenue. Je vais l'acheter la hache. Après, il reste plus que quelques merdes à vendre. Je vais acheter la hache. Welcome to Miko Shop. On va acheter le truc aussi, attendez. Là. Paf. Bam, tutoriel de nettoyage des objets sales. La station de nettoyage Miko vous permet de nettoyer les objets sales. Les objets sales ont une icône sale, les petites mouches qui puent. Déposez l'objet sur la station de nettoyage et nettoyez-la à l'aide d'un bouton d'action secondaire. Mais le problème c'est que je sais pas comment récupérer les objets. D'accord, je sais pas ce que c'était. Mais c'était un chiotte donc. Ok. Mais donc pour revenir sur mon objet sale. La lampe, ouais, ça va être utile. Ah, client. Affaire, affaire, affaire. Ah merde. Bien. Allez, casse-toi. Sur le tapis de la machine de stockage. Ben non, c'est pour poser les objets et les stocker, je crois, ça. Je vais voir. Ah, bien vu. D'accord, putain, mais tout à l'heure, juste, j'ai posé un objet. Les objets de quête stockés peuvent être envoyés par email. Stocker les objets ici. Mais c'est pas marqué qu'on peut les récupérer. Lui, il veut Bobby Gray. MIB sert et protège principalement Miko. Mais comment je réponds à sa requête à lui? Avez-vous des objets spéciaux? Non? Il veut juste des objets spéciaux. Je pensais qu'il était à la recherche de l'extraterrestre et qu'il voulait le. Je pensais qu'il voulait le choper. Welcome to Miko Shop. Miko, la petite lampe. On upgrade la hache direct. Le crochet, il y en aura peut-être besoin. Et la pelle.
Il faut de l'équipement. Ok. Donc on vient ici. On récupère ça. Et on le met là. Attendez. Voilà. Je sais pas comment ça marche, hein. Objet nettoyé, d'accord, ok. On est d'accord que là, il est en vente, hein. On va nettoyer également la poupée qui a merde, qui a trop de fois servi malheureusement, mais qui peut encore resservir si on la nettoie correctement. On va nettoyer dans les zones où elle a le plus servi, je pense. Voilà, voilà. Ah puis ça aussi, ça se tripote. On voit la saleté sur le truc, j'avais pas vu. Nickel. Je vais le remettre là en fait, on peut stocker aussi ici et comme ça je vais la faire apparaître là. Hop. Oh putain, c'est vendeur. Regardez, elle est toute brillante. Non non, pour les grands enfants. Pour les femmes de plus de 30 ans qui joue avec des poupées, il y a ça. Ah, il y avait l'extraterrestre, dommage. Dommage. Ok. Donc pour ça, je suis pas sûr hein, qu'il soit bien posé. Le numéro de téléphone de ma voisine, celle qui aime le partage. Comment? Quoi? J'ai pas de voisine qui aime le partage. Ah, je sais pas en vrai. Je les connais pas toutes. Bam! Axkayas! À 4$, tu parles d'un coup. On vend! Mais salut. Ok, alors il y avait un autre truc que je voulais acheter. C'était dans le garage. La station de réparation et la station d'assemblage. Bam. Ok. Ah, j'ai plus de sous. Vite, il y a une vente à faire. Ah, jeune gourgandine. Pas 18 balles quand même. C'est du plastique haute qualité. Qui résiste aux frictions. Encore un peu. Ah bah non, en fait. Ouais, bon bah voilà. En même temps, elle est des années 60 la poupée quand même. Hein. Le chat sur la petite étagère. Là. Ouais, je... Hop. Alors, je préfère le mettre comme ça et le faire pop. Bien vu. J'ai pas d'autres gros trucs à vendre. Non. Ouais, vous voyez? Direct. Mais oui, c'est du chat de qualité, ça. Un chat qui sourit comme ça, ça donne envie. Merde. Nickel. Allez, vas-y. Va t'amuser avec ton chat. Il s'emballe. La station de réparation. On a un objet à réparer qu'on pourra vendre après. Ah mais ça fait pas... Oh, putain, faut aller le chercher, ça fait pas pop. Merde.
On peut pas rater une vente, hein. Un autoradio pour sa nouvelle 205. Elle va être bien, elle va être facile à gérer, cette meuf. Max pognon. Non ! J'ai tellement chié. Dommage. Bon, on a quand même fait du cash, hein. On a quand même fait du cash. Non. Vas-y, casse-toi, tête de con. Je voulais lui retirer sa chaise. C'est des ressources qu'on va pouvoir utiliser pour réparer, je suppose. Non, pas les arbres. Ah, bah non. Je pensais pouvoir la... Je pensais pouvoir l'éplucher. On vire toutes les merdes. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est moche. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Oui, on casse tout. Pour partir sur une base saine. Hein. Là, il a un intérieur de merde. Il faut nettoyer un peu. Voilà, hop, ça dégage. On achètera une Senseo. Ce sera bien mieux. C'est quoi? Ah, c'est le rouleau de PQ d'or! Je comprends pas pourquoi il l'a pas mis dans les chiottes. C'est pour faire riche, en fait. Il l'entrepose dans sa chambre. Comme ça, quand il invite une fille, ça en jette. Forcément. Avec un bel intérieur comme ça et du PQ en feuille d'or. Non, on peut pas la péter, celle-là, d'accord. Non, on a bientôt de quoi réparer le truc, je pense. Bah, ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut, hein. Bah, je pense que si, je pense qu'il faut des ressources. Elles doivent forcément servir à quelque chose, ces ressources. Voilà, puis ça fait pas de mal, hein, de tout nettoyer, là, le bordel qu'il y avait. Hop. Y'a rien d'autre à déglinguer. De toute façon, vu comment que c'est sale, les poubelles elles servent à rien, donc autant les péter. Voilà. Maintenant, mon objet. Ça. Merde. De l'autre côté. Merde. Ah oui, il faut spammer, d'accord. Ok. Donc je comprends maintenant l'utilité des scotch. Et donc ça consomme bien des ressources, regardez. Bah, trop tard. Il y avait marqué par un moment, on voyait le comment. On peut le mettre ou pas? Je vais le ranger, hein. Je le refais repop. On voyait la consommation que ça prenait. On va réparer la télé. Et après, il manquera juste la station d'assemblage. Mais ça, on n'aura pas le temps de le voir, je pense. Parce que sans que ça ne paraisse, je perche quand même sur ce... Vous voyez? Il y a le petit fil là, hop, ça nécessite un fil. Mais d'autres trucs ne nécessitent rien, j'ai l'impression. Ah, ou alors j'ai pas capté l'icône. Ah oui, si, c'était l'engrenage. J'avais pas capté que l'engrenage, c'était une ressource, c'est vrai. Je pensais que c'était juste pour signifier qu'on réparait.
Et on remet ça en vente. Bam. Ah. D'accord. Bah, juste une étagère, c'est bien aussi. Enfin, juste une un objet, c'est pas mal. Que je joue aux poules avec les... Que je joue au basket avec les poules. J'arrive pas à mettre dans le... J'arrive pas à mettre dans le panier. J'arrive pas à gérer la puissance. Elle veut pas rentrer, la connasse. Oui, le poulet a marqué. Succès. C'est tout ? Fous-moi le camp, vilaine bête. Allez. Et donc après, niveau mission, on repart sur quoi? Ah bon, on en a pas, faut refaire passer la nuit. Ah si. Ici, le truc à récupérer, l'animal empaillé encore à récupérer. La statue d'animal sur un espèce de petit ring. Mais on va s'arrêter là. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'ai déjà pas mal perché sur ce jeu. J'ai bien scotché. Je le trouve sympa. Je le trouve bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, YouTube, de ce jeu. Barn Finders. Disponible pour pas cher. Pour 11,75€ en ce moment avec la promo. Et sinon, prix normal, 16,79€ sur Steam, Barfinders. Et c'est bien sympa, c'est posé comme jeu. Tu te poses tranquille dessus, tu fais ton business, tu récupères, tu répares, tu assembles. On n'a pas vu l'assemblage, mais bon, pas grave. Au revoir, à la prochaine, salut!